Autostory. Let's go. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu ce jingle, et ça fait du bien. Alors bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 9 d'Autostory, numéro qui a été, je ne vous cache pas, préparé tardivement. Hein. J'ai commencé à écrire la vidéo jeudi. Oui, jeudi là, qui est... jeudi dernier. En général, c'est les trucs faits à la hâte qui sont les meilleurs, donc j'espère que vous allez vous régaler sur cette vidéo. L'histoire de la voiture d'aujourd'hui est encore passionnante, et ouais, bah sinon je le ferai pas, quoi. Aucun intérêt. Alors aujourd'hui, icône française, icône italienne, qui ne connaît pas Johnny Hallyday? Peut-être vous, qui êtes né en 2018. Alors Johnny, il aurait eu entre 350 et 400 voitures. Il a commencé à acheter des autos dès le début des années 60, dès le début de sa carrière. En fait, il a commencé avec une très belle Triumph TR3. Alors au fil des années, il a acheté énormément de voitures, hein, des plus ou moins belles. Alors je vais pas vous faire un épisode qui durerait environ 2h45 sur toutes les voitures de Johnny, hein, parce que c'est pas le but de cette vidéo-là. Aujourd'hui, on va vraiment se focus sur la voiture qui est pour moi la plus belle qu'il ait jamais eue et qui est certainement aussi l'une des plus belles autos jamais créées, la Lamborghini Miura. Alors on va remonter en 1967. Johnny se prend d'amour pour les sports mécaniques. Il fait même quelques petites compétitions comme ça de ci de là, dont le Rallye Monte Carlo en 1967 avec une Ford Mustang, une voiture qui est très connue, qui est encore en vie aujourd'hui. Alors vu que Johnny aime rouler vite, il lui faut une auto qui va vite. Et à l'époque, l'auto qui va le plus vite, c'est la Lamborghini Miura. À l'époque, pour les années 60, c'est juste fou, hein, c'est une voiture qui monte à quasi 300 km/h. Et puis le look... Oh là là. Oh là là. Alors Johnny passe commande le 29 mai 1967 à British Motors Paris, qui est tenu par Edgar Bensoussan à l'époque. Souvenez-vous de ce nom-là, il va ressortir plus tard dans la vidéo. Et il prend livraison de la Miura le 1er juin 1967. Les délais à l'époque, ça fait quand même rêver. Hein. Même ça, c'était mieux avant, putain. Alors sur cette image bien précise, c'est le moment, c'est vraiment le moment où Johnny se fait livrer sa Miura dans Paris. Hein. C'est aux Champs-Élysées, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça peut arriver, hein. Donc là, on voit la plaque provisoire qui est 7464 WWA 75. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'était une pratique courante. À l'époque, quand on se faisait livrer une voiture neuve, on avait toujours un numéro d'immatriculation provisoire en attendant la carte grise de pouvoir poser les vraies plaques. Maintenant, on attend la carte grise et du coup, on attend des plombes. Voilà. Alors selon les sources et selon les sites, il y en a certains qui disent que c'est la première Miura livrée en France. C'est complètement faux. La toute première Miura livrée en France est jaune intérieur bleu et elle porte le châssis 1051, alors que celle de Johnny est blanche intérieur noir et porte le châssis 3006. Il y en a aussi certains qui disent que c'est la 13e Miura fabriquée, d'autres qui disent que c'est la 20e. C'est la 20e. Vous allez voir ensuite pourquoi. Je ne prends aucun parti. C'est juste des vérifications qui ont été faites, hein, pour éviter qu'il y ait des gens qui me tirent à balles réelles dans les commentaires. Ça peut arriver. Alors la voiture, mis à part les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, fera sa première apparition publique dans un des clips de Johnny de 1967. La chanson s'appelle... Ça s'appelle comment cette putain de chanson là? J'ai crié la nuit, comme un loup-garou. Alors par contre, dans le clip, elle a une IMAT différente, puisque le numéro de l'immatriculation que l'on voit dans le clip, quand on voit la voiture partir à la fin, c'est le 1244 WWA 13. Alors pareil, certaines sources disent que c'est une voiture différente. Intime conviction, je ne crois pas. Imaginez juste, la Miura vient de sortir. Il n'y en a que quelques-unes sur Paris, peut-être 2 ou 3, grand maximum. Alors imaginez quand même, hein, le hasard d'avoir une autre Miura blanche avec Johnny au volant, en France. C'est très certainement la même auto. Ils ont peut-être changé les plaques pour des raisons des raisons qui leur incombent. Ou qui leur décombent. Alors en parlant d'immatriculation, la Miura aura son immatriculation définitive quelques semaines, quelques jours après. Elle va porter le numéro 227J92, encore une époque où il y avait juste une seule lettre. Et comme vous pouvez le voir, Johnny a fait un léger tuning sur la face avant. Il a fait rajouter 2 Oscars cibiers.
C'est une pratique courante à l'époque, on en avait en accessoire sur certaines DS, sur même quelques Porsche 911 classiques, et c'est un accessoire qui était courant d'être monté sur ce genre de véhicule à l'époque. Alors Johnny va utiliser la Miura en daily pendant quasi 3 mois. Je dis quasi parce qu'il va se passer quelque chose qui est pas trop cool pour la voiture. Vous avez dû le voir déjà dans la miniature, hein. Je spoil pas. Alors c'est le 28 août 1967 que le drame va arriver. Johnny à l'époque, faut savoir qu'il vient de sortir un nouvel album et il est en pleine tournée de France. Il fait beaucoup de soirées pour promouvoir l'album et du coup, Johnny il peut se téléporter très vite entre un point A et un point B avec la Miura, donc c'est pour ça qu'il l'utilise fréquemment pour sa tournée. Alors ce jour-là, il est à Saint-Tropez, il est avec son ami et photographe personnel Jean-Marie Perrier, qui est très certainement un ancêtre d'Anthony. Bonjour. Il est 2h du mat, ils sont très certainement fortement alcoolisés comme GG au PMU du coin. Et là, Johnny propose à Jean-Marie de partir à Bayonne, qui est à 800 km de là, parce qu'ils ont un rendez-vous à midi. Il est 2h du matin, en théorie, c'est faisable. Johnny prend ses 2,5 g d'alcool, Jean-Marie, la Miura, et c'est parti pour Bayonne. Alors à l'époque, bien sûr, pas de radar automatique, hein, rien du tout. Donc c'est pied au plancher la plupart de la route. Hein. Ils font 650 km sans problème jusqu'à Tarbes, où ils vont faire une petite pause café, puis repartir ensuite, et là, ça va partir en sucette. Alors dans les environs de Tarbes, sur la N117, Johnny tape un Acacia à plus de 180 km/h. Ils font chier ces putains d'Acacia qui traversent là. Il était environ 10h du matin et en plus ils étaient dans les temps, donc plus après l'accident du coup. Alors ils vont bien, hein. Johnny lui a juste fait un petit séjour à l'hôpital pour faire quelques contrôles, hein. D'ailleurs cette photo en témoigne. Il va tellement bien qu'il aura fait son concert le soir même à Bayonne. Une journée normale. Par contre, l'ancêtre d'Anthony, lui, a un sourcil coupé, donc il sera resté à l'hôpital 24 heures en observation. Que quelques petits bobos. C'est juste quelques petits bobos comparé à l'accident. Hein. Tout va bien. Et la Miura dans l'histoire, elle va comment? Elle va pas très bien, la Miura. Elle a les dents devant qui rayent le parquet, on va dire. La voiture est pliée comme un tacos. Rappelez-vous d'Edgar Bensoussan, qui avait vendu neuve la voiture à Johnny. Eh bien, il rachète l'épave. En fait, il rachète la voiture et il va la faire expédier directement chez Lamborghini en Italie pour la faire reconstruire. 3 ans après le crash, le 10 juillet 1970, le châssis numéro 3006 ressort des chaînes de Lamborghini et est à nouveau homologué. L'auto est du coup enregistrée sous le numéro 531/20. Ce qui prouve bien que c'était la 20e Miura construite et non pas la 13e. Elle a changé au passage de configuration, elle est maintenant dans une magnifique robe Argento Indianapolis. L'accent italien de malade. Et elle a toujours son intérieur noir. Alors non, Edgar n'a pas gardé la voiture, il l'a vendue, toujours en France, le 28 mars 1972 à Ivan Muret, j'espère que je le prononce bien. Ce gars-là habite à Strasbourg et il va utiliser la voiture pendant un an. Alors il est ultra difficile de retracer son parcours depuis 1973. J'ai fait beaucoup de recherches jeudi du coup. J'ai trouvé des trucs hyper intéressants. La photo que je vous ai postée juste avant quand je parle de la couleur, c'est réellement la Miura de Johnny. Il faut le savoir, hein, c'est pas une Miura lambda. Donc elle a toujours son numéro de châssis présent. La voiture, elle a été vendue, rachetée, revendue, re-rachetée. Elle a subi pas mal de restaurations d'après ce que j'ai trouvé sur Miura Register. Les dernières photos de cette auto datent du 12 janvier 2021, c'est ultra récent. La voiture a été aperçue dans la cour d'une résidence, dans un parking privé, à Baldersheim. Baldersheim, voilà. C'est sûr, c'est en Alsace. Hein. C'est sûr. Cocorico! La voiture roule toujours en France, en prouve l'immatriculation actuelle FM054EV. Voilà, c'est juste hallucinant. Cette Miura, elle a tellement de choses à raconter. Et elle a vécu tellement de trucs. C'est beau. Petite anecdote rigolote. Johnny n'a pas eu que cette Miura-là, il a roulé après. Alors j'ai pas de date, par contre j'ai pas réussi à trouver la date. Mais il a roulé dans une autre Miura qui était noire. Alors imaginez la taille des boules du mec hein, qui a failli crever quelques années auparavant avec son pote à 180 dans un arbre qui traverse la route comme ça sans prévenir. Puis lui se rachète une Lambo. Voilà, il se rachète une Miura, tranquille. Et plus récemment, avant sa mort, quand il vivait aux États-Unis à Los Angeles, je crois, il roulait en Aventador SV Roadster. Voilà, pour la petite histoire.
Avant de clôturer cette vidéo, j'en profite pour vous dire que je serai à Marseille à la 6e édition du Auto Faro du 5 au 8 mai, donc c'est la semaine prochaine littéralement. Hein. C'est un événement qui cumule rallye touristique et concours d'élégance. Le concours d'élégance aura lieu le samedi soir au Fort Gentôme à Marseille. Je vous invite à y venir nombreux, hein. Je vous mets tous les liens dans la description, la billetterie est toujours ouverte. Moi j'y serai pendant les 4 jours et d'ailleurs je pense vous proposer une vidéo à ce sujet là. Donc venez nous voir nombreuses et nombreux. Merci à vous. Cette vidéo est déjà terminée, elle est un petit peu plus courte que les formats précédents, mais bon, c'est tranquille. Hein. Je voulais vraiment vous raconter cette histoire. Pour la petite anecdote, en fait, il y a un soir à la maison, je me faisais vraiment, mais vraiment chier. Je zappais sur Netflix comme ça, et beaucoup de gens parlaient de la petite série sur Johnny Hallyday. Donc je me suis mis à regarder ça, et je me suis fait complètement prendre dedans, en fait. Et j'ai fait les 5 épisodes dans la soirée. Donc ça, c'est très rare. D'habitude, je mets 1000 ans, on met 1000 ans avec ma chérie à regarder une série. Torché, net, clair et circoncis dans la soirée. Donc je vous la conseille, même si vous vous en foutez complètement de Johnny Hallyday, je suis pas un fanboy du tout. Et en fait, je me suis laissé embarquer et dans un des épisodes, il parle un peu du passé automobile de Johnny, dont l'anecdote de la Mustang et la Miura. Il parle de l'accident de la Miura. Donc la vidéo est terminée maintenant. Trop parlé. Je vous invite à liker, commenter cette vidéo si elle vous a plu. C'est très très important pour le référencement, mais surtout à vous abonner à cette putain de chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux. Je vous en remercie. Bienvenue à tous les nouveaux. Et puis, bienvenue à tous ceux qui vont s'abonner également. Voilà. C'est fini. Juste prenez soin de vous. Je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous.